Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. On va enchaîner, je vous propose une nouvelle guidance. On va voir ce que ça... J'ai pas de thème pour l'instant au moment où je vous parle. Peut-être qu'après, quand ça sera fini, il y aura un thème qui se sera présenté. Donc je vais faire une seule guidance en fait. Voilà, c'est ça qui vient. Je vais faire un seul message pour tout le monde. Donc déjà, je vais vous lire un message de l'oracle des messagers. Alors voici, je vais vous le lire, hein. Je sais pas, non, c'est peut-être à l'envers. Bon, je vais vous le lire de toute façon. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Voilà le message de la chouette. Ok. Alors, maintenant, donc je le fais au ressenti, hein, à l'intuition. On va partir... On part déjà sur peut-être une tristesse ou une situation qui, d'un point de vue émotionnel, déstabilise. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que chaque émotion nous parle de quelque chose. Donc on va aller voir quel est le besoin pour vous qui regardez cette vidéo. Le ou les besoins qui se cachent derrière cet état que vous vivez. Alors, j'en prends plusieurs. Intéressant. De très belles cartes. J'aime beaucoup les cartes. Ces cartes de communication non violente. Parfait. Alors, je vous les montre. C'est bon, ok. Donc on a un besoin de comprendre ce qui se passe dans votre vie. C'est pas clair, vous vous posez des milliards de questions, vous faites plein d'hypothèses, de suppositions. Est-ce que et là c'est le fou artistique. Seconde carte des besoins. J'ai besoin de changement. Bien sûr, on passe de c'est flou, c'est sombre, ça me met dans des émotions difficiles à j'aimerais atteindre là cet objectif où il fait beau à l'intérieur. Je sors de la pluie, de la tristesse pour aller vers le printemps ou le soleil en termes de météo émotionnelle. Donc un besoin fort de changement. Il y a cette troisième carte des besoins qui vient confirmer que oh là là, il y a plein d'idées ou plein de choses qui se passent dans ma tête et je sais plus où j'en suis. J'ai besoin de mettre de l'ordre. Besoin d'ordre. Voilà. Donc il est important quand on a des émotions, d'aller comprendre le besoin qu'il y a derrière ou l'envie. De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Donc là, on a vu un besoin de comprendre des choses. Donc, on va aller chercher des réponses, des solutions. Alors, bien sûr, vous vivez tous des situations différentes. J'espère que ce message sera suffisamment clair et détaillé pour vous apporter des réponses. De quel domaine il s'agit? Alors, la rose. La rose, c'est peut-être une solution. J'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de peut-être de la nature, de l'odeur des fleurs.
La bougie. Alors, ce qui me vient intuitivement, c'est j'ai besoin de m'isoler. J'ai besoin de prendre du recul et de me centrer pour y voir clair. C'est rigolo. La musique, on a vu tout à l'heure en début de vidéo, la musique, peut-être le théâtre, en tout cas tous les arts vont pouvoir m'aider. Peut-être le chant aussi, j'entends. Donc non seulement à rehausser mon taux vibratoire, à aller mieux, mais peut-être à avoir de nouvelles possibilités. Ok, encore une. Que se passe-t-il dans ma situation? L'éléphant avec la fleur, là, c'est quelque chose qui... Vous allez trouver la solution. Mais il y va avec assurance, avec force tranquille, sachant qu'il va trouver la solution. Mais peut-être que maintenant, c'est encore le flou, mais il va y arriver. C'est important, le mindset, de garder cette foi, cette confiance que il y a des solutions, que vous allez trouver cette solution. Peut-être en regardant cette vidéo, peut-être en échangeant avec quelqu'un. Il y a toujours des solutions, en tout cas dans ma vision des choses. C'est intéressant. On a à nouveau, vous voyez, hein, je l'ai fait en direct, je ne triche pas, la carte du changement. Il y a un besoin important de changement, de changer des choses, de sortir de cet état mélancolique, peut-être dépressif, peut-être insupportable, insoutenable, insatisfaisant, inentendable, insoutenable. Alors apparemment, beaucoup de personnes, j'entends, sont dans ce besoin de changement. Ça vient impacter fort le groupe, ce besoin de clarté. Donc, alors cette carte magnifique de la Terre, je vais vous la montrer après. Là, je regarde. Il y a besoin de comprendre une situation. Pour revenir dans l'unité. Donc, ce que ça me parle, ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être un conflit intérieur entre deux choses, deux situations. Je voudrais, mais je peux pas. J'aimerais, mais j'y crois pas. J'ai envie, mais c'est pas possible. C'est infaisable. Donc c'est les questions là qui vous empêchent d'avancer. Encore une carte comme ça. Donc dans ce besoin de changement, comment on va acter ce changement, sortir de cette situation émotionnelle perturbatrice, l'alliance. Donc une des solutions, c'est faire alliance avec toutes les parties de soi. Toutes les directions, voyez là, direction, les quatre pivots de votre bien-être. On pourrait dire les quatre directions, l'eau, la terre, l'air, c'est quoi l'autre? Le feu. Ça reste quand même bien rouge, hein. Il y a beaucoup d'énergie feu à transformer ou qui est en train de se transformer. Pour laisser mourir une partie de soi, laisser partir les anciens schémas, les dispositifs non adéquats, les peurs du changement, forcément, ça met dans des insatisfactions, des frustrations peut-être, et donc ça peut créer de la colère. Et derrière la tristesse, il y a peut-être une colère. En tout cas, cette carte, l'alliance,
nous dit d'aller voir tous nos besoins qui ne sont pas remplis, d'aller voir ces quatre directions de l'équilibre intérieur pour s'allier à soi. L'eau, ça peut être les émotions, l'air, c'est le besoin de parler, c'est le besoin de respirer, de sortir, la terre, ça peut être un besoin d'ancrage, d'aller dans la nature, d'avoir les pieds sur terre, de voir tous les angles concrets, réels de sa situation. Et le feu, bah, c'est laisser partir, transmuter, transformer ce qui a plus besoin et ce qui retient. Donc ces quatre éléments du bien-être sont indispensables dans la vie de chacun. Et peut-être qu'il y a un domaine qui est un peu déstabilisé en ce moment. Et c'est normal, hein, n'inquiétez pas, c'est un processus. En plus, avec les éclipses, on est entre deux éclipses. Il y en a une autre le 5 mai. Et du coup, ça met tout le monde dans un espèce de vortex de changement pour aller, c'est positif, hein, ça pour aller vers sa propre destinée, son propre chemin de réalisation et d'abondance. Donc ça ne peut être que positif, mais comme c'est l'inconnu, ça fait peur, ça c'est certain. Donc on a besoin de mieux comprendre. Je regarde les besoins. Et donc le changement est de mettre de l'ordre. Donc avant de transiter, de changer, il faut mettre de l'ordre dans ses pensées. Donc bien s'ancrer. Bien s'ancrer, peut-être dire les choses aussi. Parce que si on ne dit pas les choses, on n'acte pas ce changement qui nous tient à cœur. Imaginez, vous avez envie, de créer votre entreprise, mais votre patron vous dit « Non, mais t'es indispensable à mon entreprise, j'ai besoin que tu restes, il faut que tu restes. » Si vous dites rien, vous changez rien. Et vous n'allez pas dans votre réalisation parce que vous vous sentez appelé, vous avez envie de créer plein de choses, vous avez plein d'idées peut-être. Vous avez peut-être besoin ou envie de faire de la musique, voilà, peu importe. C'est votre besoin, c'est votre envie à vous. En quoi votre patron, il vient intervenir là-dedans? C'est son problème à lui, c'est de vous garder. Votre problème à vous, c'est de partir. Vous voyez, c'est un exemple, mais c'est normal que le patron il veuille vous garder parce que vous êtes probablement quelqu'un d'efficace. Mais vous, votre besoin, c'est changer. Ou changer de boîte, ou changer de structure, changer quelque chose, quoi. Alors, dans quelle posture? Quelle posture? Le castor. Le castor, cet animal canadien, nous dit, je vais voir le livre, mais il nous dit clairement que les choses, pour construire un barrage, c'est quand même une entreprise importante, on peut ne pas le faire seul. Donc soit on demande de l'aide à d'autres personnes qui ont certainement même envie de construire à plusieurs ce barrage. Imaginez, il y a un fleuve et vous voulez construire un barrage avec un seul castor. Un seul castor ne peut pas construire un barrage sur un fleuve, c'est impossible. Donc déjà, la mission est possible. On va aller remonter un peu plus en amont pour trouver peut-être une petite rivière et construire ce barrage à plusieurs. Oui, je vous donne des possibilités, des idées. C'est juste des exemples. Donc le castor, il construit son nid, il y va pas à pas et petit à petit. Le changement, oui, votre objectif c'est de créer votre entreprise, mais là vous êtes encore en salarié. Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si vous voulez créer votre entreprise, il y a quand même déjà des choses à faire. Moi, je vous invite en premier
déjà aller voir les différents statuts d'entreprise, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre entreprise? Troisièmement, peut-être vous former au marketing, peut-être vous former à être encore plus performant dans ce que vous voulez faire. Donc je ne vous dis pas que ce n'est pas le moment, je ne vous dis pas que ce n'est pas bien, je vous dis simplement que construire son nouveau nid, son nouvel habitat, ça prend du temps. Et qu'il y a aussi ce stress à gérer. Alors, on va aller voir ce que nous dit le livret sur le castor. Alors, le message du castor. Je suis le castor. Les hommes reconnaissent mes talents de bâtisseur. Je sais construire mon habitat, m'engager à développer le territoire nécessaire pour installer ma famille et éduquer mes enfants. Je viens à toi pour t'aider à prendre ta place. Il ne s'agit pas de pousser du coude par jalousie ceux qui sont déjà installés. Il ne s'agit pas de nourrir encore le sentiment d'injustice ou d'en vouloir aux autres de prendre leur place. Je vais t'aider à trouver ta place sur la terre en contribuant à la construction de ce nouveau monde. Souhaites-tu participer à la construction de ce nouveau monde? Es-tu prêt à mettre à contribution tes talents, tes qualités au service du grand esprit? Il ne s'agit pas de se sacrifier aux idoles, de se priver ou de construire pour d'autres. Je te demande si tu es prêt à construire ce nouveau monde, un monde plus juste, qui s'appuie sur l'équilibre, la beauté et le sacré. Alors, je vais t'aider à bâtir ta maison, autant intérieure qu'extérieure, depuis les fondations jusqu'aux moindres finitions. Fais-moi confiance, je suis le maître des bâtisseurs, le totem des ingénieurs, celui qui sait où l'esprit demeure. Waouh, super! Donc effectivement, on est dans cette posture, je vais construire mon habitat. Alors, on vous donne un rituel, ça peut être intéressant pour certains. C'est un rituel créatif. Donc vous allez vous poser, respirer profondément. Vous pouvez le faire à la suite de cette vidéo, mais là je ne vais pas le faire en direct. Je vais juste vous guider, vous dire ce qu'il faut faire. Dans le respect de chacun fait ses choix, chacun passe à l'action de lui-même. Donc vous allez vous mettre dans la posture de qu'est-ce que j'ai envie de construire. J'ai envie... Parce que peut-être que si vous avez besoin d'y voir clair, de changement, c'est que quelque part vous avez un projet. En tout cas, je vous invite à trouver un projet de cœur, quelque chose qui vous met en mouvement, qui vous anime. Donc si vous l'avez déjà. Donc vous vous centrez, vous méditez un petit peu, vous lâchez, respirez profondément, lâchez les tensions. Et vous allez donc méditer quelques instants. Et vous allez prendre le temps, avec un crayon, une feuille, de dessiner l'environnement qui est bon pour vous. Vous pouvez peindre, utiliser la terre, de l'argile, du bois, peu importe. Vous choisissez votre matériel. Ça peut être réaliste ou symbolique. Des blocs, vous pouvez prendre des objets, des blocs, les mettre en place. Par exemple, cet objet, ce totem, ça va être un groupe de personnes. Un autre, c'est ce avec quoi je vais couper. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire avec les objets. Je pose dans la matière l'habitat dont j'ai besoin. Je médite ensuite sur l'esprit du castor. Je m'en remets à lui pour m'inspirer dans la construction de cet habitat.
Donc, en fonction de votre objectif, eux, ils parlent beaucoup d'habitat, là, de maison, mais ce n'est pas forcément une maison hein, que vous allez construire. C'est un lieu de vie. Donc, bah, vous pouvez dessiner, il y a une rivière, il y a un arbre, deux arbres, etc. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous vous sentez perdu dans ce déménagement. Donc, visualisez cet endroit, dessinez-le, créez-le. Et vous appelez l'esprit du castor. Je peux vous remettre l'image. Vous pourrez faire pause et méditer sur l'énergie de construction, d'ingénierie. Et les messages vont venir tout seuls. Je vous le remettrai dans la communauté. Je vais le prendre en photo. Et donc, je m'en remets à lui pour m'inspirer dans la construction de mon habitat et de mon projet. Voilà. Donc je pense que on est nombreux dans cette situation et que ça va résonner avec beaucoup de personnes. Donc si vous avez besoin d'un petit coup de pouce très individuel, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les infos ainsi que mon calendrier de rendez-vous dessous. Et je vous souhaite une bonne journée et bonne construction. Bye bye.